C'est pas tranché. C'est pas tranché. Bonjour et bienvenue dans ce troisième débat de C'est pas tranché, l'émission qui vous dit tout sur la viande avec un thème du jour qui est une question et qui est une question qui fâche. Mange-t-on trop de viande? On peut s'interroger à la lumière de certaines études qui aujourd'hui soulignent les dangers d'une consommation importante de viande, risque au niveau des maladies cardiovasculaires, risque au niveau de cancer. Et pourtant, on a d'autres études qui, elles, insistent sur les bienfaits de la consommation de viande, de la viande qui apporte des vitamines, qui apporte des protéines, qui apporte du fer, qui sont bonnes pour notre tonus, qui sont bonnes pour nos muscles. Alors, qui faut-il croire? À quel risque pourrait-on s'exposer vraiment en consommant de la viande? Et puis, quelle juste portion de viande faut-il mettre dans ses menus au quotidien et chaque semaine? On va essayer d'y répondre avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Docteur Mariette Gerber, bonjour. Vous êtes médecin épidémiologiste, chercheur honoraire INSERM, attaché au Centre de recherche sur le cancer de Montpellier. Vous avez beaucoup travaillé sur le rôle de l'alimentation associée au cancer et vous nous parlerez bien évidemment des dangers liés à la consommation de viande. Docteur Élise Coteau, bonjour. Bonjour. Vous travaillez comme gériatre au sein de l'unité de médecine interne de l'hôpital des Diaconesses Croix-Saint-Simon à Paris. Vous êtes intéressé à la dénutrition des seniors et vous nous parlerez justement de l'importance de la viande pour prévenir la dénutrition des personnes âgées. Docteur Thierry Hervé, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien, chef du service de maternité de l'hôpital des Diaconesses Croix-Saint-Simon à Paris aussi. Vous alertez depuis des années sur certaines carences alimentaires chez les femmes jeunes, liées notamment à la consommation de viande, on va en parler aussi. Avant qu'on commence à rentrer dans le cœur du débat et que l'on évoque les risques qui peuvent être associés à la consommation de viande, je voudrais vous demander à chacun si vous partagez un petit peu ce constat ambiant qui est celui d'une consommation de viande qui pourrait devenir dangereuse pour la santé. Est-ce que la viande fait peur? Est-ce qu'on a raison, on peut avoir raison d'avoir peur de la viande qu'on met dans son assiette, Madame Gerber? Oui, la viande n'est pas un poison, donc avoir peur de la viande dans son assiette, c'est vraiment pas une attitude que l'on peut avoir. Par contre, on peut se réjouir qu'on consomme un peu moins de viande en France parce qu'effectivement, une consommation trop importante de viande, du point de vue épidémiologique, du point de vue des populations, est associée à certains risques, et notamment des risques de cancer, cancer du côlon en particulier, et peut-être aussi cancer du sein. Docteur Coteau, je fais mon petit tour de table. Hein. Est-ce qu'on, pour reprendre la question, globalement, est-ce qu'on mange trop de viande par rapport à ce qu'est notre santé aujourd'hui? D'un point de vue nutrition des seniors, eux, ils sont plutôt carencés en apport carné et viande. Et du coup, je répondrai non. Et monsieur Harvey, eh ben, pareil pour les femmes enceintes. Hein, les femmes et pas enceintes et enceintes ont souvent un apport de viande qui est insuffisant. Et globalement, a-t-on raison d'avoir peur pour certains de la viande que l'on met dans son assiette? Tout dépend de la tranche d'âge, mais en France, on a une éducation qui a fait que quand on était enfant, on faisait manger beaucoup plus de viande. Les choses sont en train de changer, un équilibre va se faire. Mais attention, parce que la carence peut arriver, c'est quand même une source de fer indispensable. Je voudrais qu'on voit avec vous ces fameux risques, ces fameux dangers pour la santé dont on entend parler autour de la viande que l'on peut consommer, liés à des maladies cardiovasculaires, liés à des cancers. On va essayer de les détailler un petit peu avec vous. Mais avant, je voudrais préciser un peu la nature même de ce risque. Quand on parle d'un risque lié à l'aliment, c'est plus lié à ce que vous appelez le profil alimentaire, c'est-à-dire l'aliment, mais aussi à quoi on l'associe et combien, en quelle proportion on en consomme. En quoi ce profil alimentaire est-il essentiel? Et de plus en plus en épidémiologie, nous sommes attachés à ce que nous appelons le profil alimentaire. Et c'est vrai que les gens qui consomment beaucoup de viande ont un profil alimentaire qui est plutôt défavorable pour la prévention contre le cancer. C'est-à-dire si vous mangez beaucoup de viande, en général vous mangez peu de légumes, peu de fruits, etc. Vous avez tendance peut-être à boire aussi un peu plus de vin, à fumer. Bon, voilà. Donc il y a ce profil que les Américains appellent le Western Dietary Pattern, c'est-à-dire le profil alimentaire occidental, qui est opposé au profil sain ou au profil méditerranéen, s'il contient l'huile d'olive, qui lui est plutôt favorable. Le principal cancer dont on parle, en l'occurrence quand on parle de viande, c'est le cancer du côlon. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans la viande,
peut être associé à un facteur de risque de développement d'un cancer du côlon? Alors, il y a un produit qu'on appelle les nitrosamines, qui est un métabolisme de tous les produits azotés, donc notamment des protéines de la viande. Et ces nitrosamines, il y a soit une synthèse endogène qui est liée justement à la présence de fer héminique, c'est le fer que l'on trouve dans les viandes et qui est le plus facilement absorbé. Et ce fer héminique catalyse la production de nitrosamines endogènes qui sont mutagènes. Il y a aussi un apport exogène de nitrites et de nitrates, et ça c'est notamment au niveau de la charcuterie, qui favorise alors qui apporte donc des nitrosamines exogènes. Donc on a deux possibilités, endogènes grâce au fer héminique, exogènes apportées par ce que peut contenir la charcuterie. On parle en fait à travers ces termes-là de ce que sont des acides aminés en fait, c'est ça? Les acides aminés interviennent dans la formation d'amines hétérocycliques, et ça c'est quand on chauffe très fort, qu'on cuit très fort une viande, et pendant longtemps aussi, qu'on a formation d'amines hétérocycliques qui sont également mutagènes. Ce sont ces amines-là, en fait, qui, du fait de la cuisson, vont être amenées à se transformer. Et se transformant, elles vont faire que les cellules à l'intérieur du côlon vont devenir des cellules anormales. C'est-à-dire qu'elles vont être délétères, elles vont être agressives pour l'ADN de la cellule qui va muter et qui va donc perdre sa capacité de régulation de la prolifération. Donc ces cellules ne vont plus être régulées, elles vont se mettre à proliférer, elles vont se mettre à proliférer jusqu'à un certain point. Il faut penser aussi qu'il y a toujours réversibilité possible encore à ce moment-là, c'est-à-dire que nous avons des enzymes de réparation de l'ADN. Et c'est là où la susceptibilité génétique joue un rôle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des enzymes qui marchent très bien. Avoir un système qui va réparer les cellules. Qui vont éliminer cet ADN très bien, et d'autres au contraire, qui ont une mutation génétique de cette enzyme qui fait qu'elle ne marche pas très bien, et donc votre ADN va être abîmé, et il va donner ce que nous appelons une cellule transformée. Un autre phénomène qui est souvent assez souvent évoqué, c'est celui de certains modes de cuisson spécifiques, notamment le barbecue. On dit que quand vous mettez au barbecue les aliments, bah vous avez formé ces petites traces noires un peu charbonnées sur la viande, et là il y a un risque dans ces parties. Là il y a deux choses effectivement. Si vous faites cuire très longtemps au barbecue et très fort, vous avez les amines hétérocycliques, mais en plus il y a de la graisse, des corps gras autour de votre viande ou dans votre viande. Quand vous faites griller une entrecôte persillée, il y a pas mal de gras dedans et ça cuit. Donc ce gras va être peroxydé par la chaleur, et la peroxydation lipidique est aussi un agent de mutation de l'ADN par les espèces réactives d'oxygène qu'il contient et qu'il génère. Troisième phénomène assez important, c'est, on en parle de plus en plus, c'est lié au cancer du sein. Des études montrent que certaines populations de femmes qui vont manger beaucoup de viande vont peut-être avoir un risque plus important de développer un cancer du sein. Qu'on en sait clairement aujourd'hui? Là, on a quelques études avec les amines hétérocycliques, mais il n'y en a pas énormément. C'est assez difficile à démontrer, à part une étude épidémiologique, de rechercher cette molécule, alors que l'on connaît les difficultés des questionnaires alimentaires, etc. C'est assez difficile. Pour le cancer du sein, on a beaucoup plus de choses intéressantes avec le profil alimentaire. Docteur Harvey, que vous inspirent justement ces risques qui sont soulevés par ces études au niveau des cancers, notamment le cancer du sein, qui est un cancer que vous connaissez bien. Bien sûr. J'ai plutôt des femmes enceintes comme clientèle, donc le cancer du sein, ça arrive beaucoup plus tard. Et c'est vrai que si on peut arriver à profiter de la grossesse pour les faire manger correctement, c'est toujours ça de gagner après. Et vous avez beaucoup plus de facilité à reprendre l'hygiène alimentaire des gens lorsqu'il y a un but qui est de faire un enfant qui va bien. Bon, je crois que les femmes enceintes étaient sous-informées pour ce qui est de l'alcool. Alors à côté de ça, on est rentré dans une stérilisation totale. Bon, il faut faire attention à ce qu'on mange. Et donc si tout d'un coup, pendant la grossesse, on peut arriver à leur montrer que En s'alimentant mieux, on va diminuer d'autres risques, tout en étant bénéfique pour la grossesse, c'est que du bonus. Et ces associations entre un risque de cancer
associée ouais. Au fait de prendre une alimentation, on va rajouter de la viande, du vin, etc. La corrélation entre alimentation et cancer telle qu'elle est posée de la sorte, c'est quelque chose qui vous alerte beaucoup Bien ou sûr. Vous avez aussi un peu de distance ou de réticence par rapport aux conclusions qu'on peut en tirer? Non, j'ai pas de réticence. Je suis assez basique sur le fait que si on mange mieux, on a moins de chances d'être malade plus tard. C'est si on fume moins ou pas du tout, si on picole pas, si on mange sainement, si le 5 fruits et légumes, c'est pas 5 fruits 0 légumes avec que du sucre, parce que 5 fruits et légumes, c'est il faut panacher les deux. Si on arrive à faire manger ça, si on supprime des rayons de nos supermarchés un certain nombre de choses, on va gagner beaucoup de choses. Mais pour ce qui est de manger de la viande, je suis d'accord qu'il faut en manger, je suis d'accord pour la cuisson. Donc on a inventé, parce que c'est vrai que c'est meilleur, mais plus vous cuisez la viande, et j'ai adoré ce que vous avez dit sur la viande qui a cuit longtemps, et on le voit en termes de transformation, et c'est le fer qui va être absorbé, va être moins bon, donc on va avoir moins de féréminique, plus vous allez faire cuire votre viande, moins il va y avoir de féréminique. Donc à la limite, on devrait se remettre à manger cru. Alors il y a... pourquoi pas. Ou panacher les cuissons. Certaines études associent la consommation de viande avec le développement d'un certain nombre de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'il en est exactement, et qu'est-ce qui, dans la viande, peut s'associer à la chose? La relation au cholestérol, qui est le marqueur de risque de maladie cardiovasculaire le plus basique, est clairement liée à l'absorption de graisses saturées, d'acides gras trans maintenant, comme nous le savons. Mais les acides gras saturés, effectivement, le bœuf est l'espèce animale qui a le plus d'acides gras saturés. Si vous consommez des entrecôtes persillées, vous avez du gras avec, ça c'est clair. Donc, et puis, c'est toujours pareil, dans un profil alimentaire, en général, si vous mangez beaucoup de viande, quelquefois vous le faites avec la sauce, ce qui n'est pas très bien, le jus, etc. Pour les amines hétérocycliques, le jus, c'est terrible. C'est aussi tout un ensemble. Mais pour, là, c'est quand même assez linéaire, si vous voulez. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est cholestérologène. Qu'est-ce qui est cholestérologène? Ce sont les acides gras saturés, les acides gras trans. Ce n'est pas la viande maigre en soi. Si effectivement vous mangez une viande maigre crue, bon, vous ne faites pas tellement monter votre cholestérol. C'est intéressant parce qu'on voit que quand on dit « mange-t-on trop de viande », la question est plus complexe que là. Elle est associée à ces notions de profil alimentaire. Ouais. Elle est aussi associée à une autre notion essentielle qui est celle du niveau de consommation de viande. Ouais, or, ce niveau de consommation de viande, contrairement à ce qu'on croit, il est en baisse constante depuis des années. C'est moins 15% entre 2003 et 2010, avec à l'arrivée aujourd'hui un schéma où on a 47% de personnes qui sont des petits consommateurs de viande, qui mangent moins de 315 grammes par semaine, et puis à peu près 29% qui sont des gros consommateurs, qui mangent pratiquement 400 grammes, plus de 390 grammes par semaine. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit qu'il y a une proportion importante de faibles consommateurs qui, on le disait au début, eux peuvent avoir pour certaines populations des problèmes de carence, des problèmes de déficit associés à la consommation de viande. On a vu les risques liés pour les gros mangeurs, ils existent aussi à ce niveau-là. Je voudrais qu'on en parle un petit peu avec vous, Thierry Harvey, notamment autour du fer et des déficits en fer qu'il peut y avoir chez les femmes jeunes. Vous, en tant que gynécologue obstétricien, vous le voyez, vous alertez depuis assez longtemps sur ce risque-là. En quoi les déficits, les carences en fer sont-elles plus importantes chez les femmes que chez les hommes? Qu'est-ce qui explique qu'elles sont plus concernées? Il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes, ce sont les règles. Hein, on peut parler d'égalité, d'équité, tout ce que vous voulez, mais une femme a des règles et donc a une perte de fer. Les hommes, on fonctionne à peu près presque en circuit fermé. On a besoin de très peu de fer à remettre dans la machine. Ce qu'on élimine, c'est très 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 faible. Par contre, les femmes ont des règles. Et pour peu qu'il y ait des règles abondantes, la carence en fer va se faire de façon importante. La deuxième chose qui change aussi et qui ne se modifiera pas, c'est que pour le moment, seules les femmes peuvent porter des enfants. Et je pense que c'est le cas pour de nombreuses années futures. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Donc les femmes, à ce moment-là, vont puiser dans leurs réserves de manière à faire en sorte que l'enfant n'ait pas de carence. Alors là aussi, il faut rassurer rapidement tout le monde, même lorsque les femmes sont carencées en fer, je n'ai pas dit juste un déficit, quand elles sont carencées en fer, l'enfant sera très 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 peu carencé. Il faut vraiment que ça soit des déficits énormes comme on peut le voir dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Donc l'enfant, lui, se débrouille, il va pomper dans les réserves de sa mère
et c'est elle qui va risquer de courir un danger à un moment, en particulier au moment de l'accouchement. Quel type de danger, justement, est-ce qu'elle peut risquer à ce moment-là? Alors, le plus gros des dangers fait que, là aussi, il y a un moment incontournable de la grossesse qui est l'accouchement. Il faut bien que les enfants finissent par naître. Et la période la plus dangereuse de l'accouchement, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas la naissance de l'enfant. C'est ce qui se passe après, qui est la sortie du placenta, qui est la délivrance. Et à ce moment-là, il y a un risque d'hémorragie. Avec un risque d'hémorragie, j'allais dire standard, qui est de l'ordre de à peu près 5%. Donc 5%, c'est une sur 20. Et puis, vous avez des hémorragies graves de la délivrance qui sont définies par un certain nombre de critères comme une transfusion, des gestes chirurgicaux ou un maintien en salle de naissance pendant des heures pour que l'utérus se contracte. Et là, c'est en fonction des endroits et des politiques de prévention, entre 1,5 et presque 2% des naissances. On aimerait bien que ça soit aux alentours de 1%. On est en train d'essayer de le faire baisser. Au quotidien, pour la femme, est-ce que cette carence peut développer, créer des symptômes, poser des problèmes à sa santé? Si elle a une carence, elle va être anémique. Et là, vous avez tous les symptômes de l'anémie. Ça commence par la fatigue. Et puis, ça, vous avez risqué de faire un malaise. Enfin, tous les signes de l'anémie. Donc, là, c'est un risque. On parle de carence en fer, on parle de consommation de viande. Oui. En quoi la viande, finalement, va être un aliment essentiel pour éviter justement ces déficits? Parce que le fer, on le trouve aussi dans les végétaux. Oui. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas des tondeuses à gazon. Le fer qui est le mieux absorbé, c'est quand même le fer héminique. C'est le fer qu'on trouve dans la viande. Et vous l'avez aussi dans d'autres aliments. On peut se mettre à manger de l'œuf, effectivement. Alors là, on va dire il y a le cholestérol du jaune. Et puis vous avez les palourdes, vous avez les mollusques. Je voudrais voir qu'on voit les seniors avec vous, Madame Coteau. C'est une population aussi qui aujourd'hui connaît des carences alimentaires, des carences qui peuvent être liées aussi à la consommation ou au manque de consommation de viande pour d'autres raisons. On est à peu près à 50% de personnes âgées hospitalisées qui sont en dénutrition. Comment on l'explique ? Alors donc en fait la dénutrition elle est multifactorielle chez les personnes âgées, il y a vraiment plein de causes qui sont intriquées et donc à chaque fois pour chaque personne ça va être une enquête la plus objective possible pour essayer d'évaluer les causes de cette dénutrition. Donc il y a en gros deux types, les dénutritions exogènes et endogènes qui sont souvent mélangées. Pour tout ce qui est endogène c'est lié notamment au vieillissement de la population avec les altérations sensorielles. On perd le goût et voilà, on perd le exactement. Goût encore plus du salé en premier en plus. Voilà, on perd notamment le goût du salé. On a moins de salive, on a la bouche sèche, on a une satiété plus précoce, on a plus tendance à être constipé, à avoir un transit ralenti, on assimile moins bien les acides aminés parce qu'on a moins d'enzymes pancréatiques. Donc tout ça favorise en soi une dénutrition. Ensuite, il y a toutes les causes en gros de pathologies chroniques ou aiguës qui vont déstabiliser l'équilibre qui est très fragile déjà chez les personnes âgées, mais je parle des personnes très âgées. Donc à partir de 75 ans, toutes les infections, les douleurs, les cancers, les ABC, enfin tout ça sont sources de destruction tissulaire. Avec à l'arrivée le fait qu'il peut y avoir des effets réels sur la santé, des spirales qui vont se mettre en œuvre, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors en fait, l'équilibre en gros de la nutrition en fait se base sur un équilibre entre les apports et les dépenses. Et en gros, dès qu'il y a un déséquilibre, on est dénutri. La personne âgée, en plus de ça, n'a pas de réserve mobilisable. Donc dès que quelque chose intervient dans son processus de vie, une maladie ou autre, elle va puiser dans les réserves qu'elle n'a pas et perdre du muscle. Donc en gros, la dénutrition entraîne une perte de protéines, notamment musculaires. Elle favorise les infections, il y a une baisse de l'immunité. Les infections en elles-mêmes sont consommatrices de protéines, donc alimentent aussi la dénutrition. Et après, donc, c'est la spirale avec notamment, donc, quand on a une perte de muscle, on a une perte de fonction, on a moins de mal à se mobiliser. Ça favorise les chutes, plus de mal pardon, à se mobiliser. Ça favorise les chutes, donc on a moins tendance encore moins à se mobiliser. Spirale, plus on se dénutrit, plus on est malade, plus on est malade, moins on mange, moins on mange, plus on se dénutrit, etc. Avec le fait en plus de ça que les personnes âgées ont des besoins en protéines qui sont au moins équivalents aux adultes, ce qu'on souvent on ne sait pas et qu'on oublie de considérer. Par rapport à ça, justement, l'apport et la consommation de viande, qui on l'a vu peut-être un peu compliqué pour les personnes âgées du fait de la perte sensorielle liée au salé, du fait de la mastication aussi qui devient difficile. Qu'est-ce que les protéines animales apportent, en quoi elles peuvent être essentielles justement pour lutter et prévenir cette dénutrition? Alors en fait, dans les apports protéiques, il y a différents types de protéines. Les protéines, donc la viande, le poisson, on l'a dit, les œufs, les laitages.
Et en fait, tout dépend de la qualité et la quantité absorbée de protéines. Et les plus faciles, assimilables en fait, avec les acides aminés indispensables. Et en plus, donc, la viande contient de manière importante de la vitamine B, du fer, des oligo-éléments. Et elle est plus facilement assimilable et va favoriser la synthèse des protéines musculaires. Donc c'est elle qui serait le plus favorable pour les personnes âgées comparées aux autres. Est-ce que c'est à ce niveau-là de tels seuils vous paraissent aujourd'hui utiles, nécessaires et valables finalement pour l'ensemble de la population, sachant qu'on voit qu'on a des diversités de cas très importantes? Moi, je vois des femmes enceintes qui vont toutes globalement très bien, mais qui, parce qu'elles ont envie de ne pas trop prendre de kilos, de rentrer dans leur 36 en sortant de maternité, vont s'auto-carencer, etc. Donc à nous de les remettre après sur des rails simples. Donc là, on parle de viande, mais on peut parler de plein d'autres choses. Oui, il faut les remettre à manger de la viande parce que, en plus, on est actuellement dans le politiquement non correct de manger trop de viande. Mais si on lui explique comment manger la viande, effectivement, on ne commande pas trop la cuire. Donc l'idée, c'est de donner des indications sur les bonnes manières aussi de la cuisiner, absolument. De varier les cuissons et de varier aussi, de placer la viande dans un bon équilibre alimentaire avec d'autres viandes blanches, avec des œufs, des fruits et des légumes. C'est véritablement l'équilibre, replacer la viande dans l'équilibre alimentaire qui est l'enjeu au-delà des seuils qu'on peut mettre. Oui. Il faut profiter de ce de la population qu'on voit, pour les femmes enceintes, c'est quand même un grand moment d'éducation sanitaire. C'est-à-dire que non seulement on va leur apprendre, elles, si possible avant la grossesse, point de suspension, le plus souvent pendant, à se nourrir correctement, on voit exploser, non pas parce qu'on les dépiste plus, peut-être un peu le nombre de diabètes pendant la grossesse, c'est une explosion, c'est faramineux. Et quand elles reviennent de la consultation de nutrition, elles nous disent « Ah, ben, j'ai appris plein de choses ». Puis après, elles vont avoir en charge l'éducation de leurs enfants. Donc si on peut leur donner, elles, pendant leur grossesse, une éducation nutritionnelle correcte, si cette éducation, elle peut la poursuivre chez ces gamins, on a que des bonnes choses. Et effectivement, leur réapprendre à manger de la viande. Quand on regarde les consommations de viande, les femmes en mangent moitié moins de ce qu'elles devraient manger. Je reprends les règles, la consommation, etc. Et les bons hommes, on en mange deux fois trop. Madame Gerbert, sur ce fait d'équilibrer la consommation... Ah, mais là, je suis tout à fait d'accord, c'est sûr. Moi, je suis tout à fait, surtout satisfaite d'entendre cette idée de profiter de la grossesse pour faire une éducation nutritionnelle. Je trouve ça excellent, parce qu'après, ça retentira évidemment sur les enfants. C'est extrêmement important, c'est de ça dont nous manquons. Mm-hmm. C'est très bien, ça. Alors merci beaucoup pour toutes ces remarques. On finit sur l'éducation alimentaire qui est une bonne réponse à cette question qu'on pose depuis le début de notre débat. Mange-t-on trop de viande? Merci à vous trois et merci à vous de nous avoir regardés. C'est pas tranché. C'est pas...